Bonne nouvelle pour tout Haïtien qui vivent aux États-Unis. États-Unis, c'est un pays qui bail en pile opportunité pour vivre, faire business et puis travailler. Haïtien surtout toujours rêver voyager à le visiter, même là au pas prêté, mais faut que visiter pays tonton Sam quand même. En connaît tout, plus passer 50 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis, c'est sous TPS. Ça qui te voyagé 12 janvier 2010, yo te exilé ou bien par un autre moyen illégal, yo te traversé aller aux États-Unis. Pour vivre à les États-Unis, faut qu'ou gen statut légal. Donc, je dis à m'pote yon bonne nouvelle pour ou, chita confortablement, m'bra l'expliquer ou parce que à partir de mois janvier là, cause TPS ça pral commencer régler. Bonjour, bonsoir le monde. Comment nous y est? M'espère nous en forme et bienvenue sur Chanel Paula qui toujours marche chercher bon nouvelle poté pour nouvelle qui pop kaseke ou. Si vous déjà fait ça, merci. Mais si vous pas fait ça, dégagez, pressé, abonnez avec Chanel là, quittez un j'aime et quittez commentaire pao. Ça yo aide Chanel là vivre de jour en jour. Et ça yo aide le tout respirer bien parce que là ou abonner là ou partager vidéo yo waouh on pas cacher di ou ça vraiment fait kèman content. On entre dans bonne nouvelle pour jodi a. Mais bonne nouvelle là. Tout moun ka fonctionné sous TPS qui c'est statut temporaire qui t'est fait sous président Obama, eh bien moun sa yo pral bénéficier avantage ça à partir de mois janvier k'ap vini là. Alors, si ou fait partie de immigrants sa yo nan États-Unis ou c'est haïtien, m pral ba ou toute information. Pou bien di ou, c'est pas seulement haïtien yo non ki gen k'ap viv sous TPS aux États-Unis. Charger l'autre nation tout, mais ou konnen k'ap nou yo toujours plus répété. Fòm di ou, nan date ki te 19 janvier ki sot passé a la, gouverneur état New Jersey a fille Murphy li même te adopté yon mezi ki mezi liye. Fòm di nou nan date ki te 19 janvier ki sot passé a la gouverneur état New Jersey a ki se fille Murphy li même te adopté yon mezi kap entre en vigueur à partir de 1er janvier 2021 kap vini la ki mezi li. Eh bien, mezi sa li consiste à permettre moun ki sans papier ou bien kap vive sous TPS capable désormais solliciter yon permis de conduire dans état New Jersey. Donc, à partir de 1er janvier 2021, ou même ki nan état sa, ou capable appliquer pour capable joindre yon permis de conduire et l'autre moun yo kap vive dans l'autre state yo tout à partir de 2021 là. Zafè TPS la ap komanse regle. Bon, fòk m di nou, moun sa yo ki pral jwenn pèmi de kondwi a, gen prosesis. Nou konnen tout bagay aux États-Unis, se sou règ. Fòk ou aprann kondwi d'abord, et puis pase yon test de konesans avan ou jwenn pèmi de kondwi a. Se pa menm jan avèk pa Borisit non, moun nan pa konn kondwi et puis getan gen lisans. Kòt bagay sa soti. Aux États-Unis, pour gagner licence, faut que ou apprendre conduire normalement et yo passe au test. Si toutefois ou pas passer test là, ou pas ka joindre permis de conduire ça. Mais si ou bien passer test ou a, yo a délivre permis ou là, ça veut dire que ou capable sortir avec machine et yo tout conseille ou tout prend plus précaution parce que m'pa cache dou aux États-Unis charger route passant les routes passant bas. C'est pas bagay piti, c'est pas Haïti ou on sel trace route, mais aux États-Unis chargé route ayoué ak yon paquet lot encore. Pour cause TPS là, fòm di nou, gen plusieurs années depuis moun sa yo a vive sous statut temporaire, par contre côté yo gade. Et pas oublier dernièrement là, président Trump sot pran gros mezi pour finir avec cause TPS là. Ça te bay en pile moun ke sote parce que tourner en Haïti c'est pas un bagay qui facile dit tout. Et gen des moun ki brèt ta cimetière, yo pa jamais met pied yo côté comme ça. Mais quand même, wap toujours été yon haïtien. Donc, gen l'espoir ou met fè kè ou content
ou mettre danser parce que à partir de janvier à là définitivement cause tipié ça ça pral changer. Alors mesdames et messieurs, m'pense tout gouvernement haïtien a pensé pour défendre tout haïtien qui dans diaspora yo pour yo capable gagner un statut légal. Donc pendant que gouvernement américain a fait ça, li important pour gouvernement haïtien camper ensemble avec yo yon façon pour pas gè force côté et pour tout monde k'ap vive aux États-Unis pendant un bel bout de temps sous TPS. Parce que imagine yon moun té parti depuis 12 janvier 2010 2020 là gè tan fait 20 ans et janvier 2021 côté que yon pral entamer processus pour moun k'ap vive sous TPS aux États-Unis joine papier légal yo ça pral fait 11 ans. En ce sens, li important pour gouvernement haïtien mettre tête ensemble avec gouvernement américain pour yo capable gérer dossier haïtien qui vivent sous statut temporaire dans pays États-Unis. Merci tout le monde et merci avec vous même qui t'a suivre avec attention bonne nouvelle ça m'té porter pour aujourd'hui. M'a ba rendez-vous dans une autre vidéo mais pas oublier non avant que nous quitter vidéo ça. Dégagez, pressé, abonnez ensemble avec Chanel là parce que Chanel ça c'est bon nouvelle seulement nous porter pour nous pas porter nouvelle cap casser ni tout cap faut frustrer cap faut fâcher cap faut regretter de ce côté haïtien mais c'est Chanel cap porter bon nouvelle pour de jour en jour cap améliorer situation cap aggraver. Mesdames et messieurs, c'était Foucault, oui, Foucault, zami information qui toujours campé bon côté. M'remenou en pile et gardez bien. Gardez Chanel Paola, activez cloche notification pour capable joindre toute vidéo yo pour pas rater une bonne nouvelle. M'remenou en pile et toujours été connecté, n'a croisé dans une autre vidéo.